oui, ici, là, le terrain, là, c'est quand même bondé de personnes, là, jusque dans la petite côte. Là. Il y en a qui s'amusent, les enfants s'amusent un peu partout. Alexandra Dupont nous donne rendez-vous dans un parc au cœur de la municipalité de Saint-Pamphile. La journée est pluvieuse, l'endroit est désert. Tout le contraste de ce qui se produit dans ce parc au mois d'août. Pendant le festival, ici, en fait, c'est l'ouverture officielle. Pendant l'été, des milliers de personnes se déplacent ici pour assister au Festival du Bûcheux, un événement qui est en quelque sorte un hommage à l'économie de la région. On a des compétitions forestières, donc on a le siège, on a l'abattage, fait que ça représente beaucoup les gens qui vont travailler dans le bois, les gens qui vont travailler en forêt. Mais en ce moment, l'industrie n'a pas le cœur à la fête. Dans les locaux très modernes de l'entreprise Mébec, les billots de bois se succèdent. Ils y entrent à l'état naturel et ressortent sous forme de planches. On est dans une situation beaucoup plus complexe et difficile qu'on l'était dans le passé. Alors... Depuis quelques semaines, l'entreprise, dont Charles Tardy est vice-président, subit les décisions de l'administration Trump et doit payer une taxe de 20 % pour exporter aux États-Unis. Et ce même si la plupart du bois traité ici est coupé dans les forêts américaines situées tout juste à côté. Dans les conflits précédents, les producteurs à proximité de la frontière étaient exempts de cette taxe, mais pas cette fois-ci. L'entreprise est structurée de telle façon à être capable de survivre à un certain moment dans des conditions qu'on espère pouvoir se maintenir. Alors, pour l'instant, il n'est pas question de faire perte d'emploi immédiatement, mais c'est évident que ça va avoir un poids sur l'entreprise. Alors, les gens sont nerveux, c'est évident, pour leur avenir. À la pause du midi, on sent que certains employés sont partagés entre confiance et crainte. C'est sûr, quand ça a été annoncé, on a vu la réaction le lendemain matin. Le monde y parlait beaucoup de la taxe. Il y en a qui sont plus inquiets, il y en a d'autres qui sont moins inquiets. Chacun a des gens, ça dépend des gens. Bon, moi, ce qui me fait peur, c'est que les petites compagnies viennent qu'à former. C'est ça qui coupe des emplois, puis ils sont venus qu'à faire une pénurie de m'amener. La municipalité de plus de 2500 habitants, dont le centre est situé à moins de 5 km de la frontière américaine, se trouve dans la circonscription de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, représentée par un député conservateur à Ottawa. Dans la course à la direction de ce parti, le présumé meneur, Maxime Bernier, a une suggestion pour régler le problème qui touche cette communauté, comme bien d'autres au pays. C'est injuste que les Américains imposent une taxe de 20 % sur le bois d'œuvre canadien qui va traverser la frontière. Donc, si on va avoir des discussions pour plus de liberté, il faut mettre sur la table la gestion de l'offre. Je suis le seul candidat qui veut la mettre sur la table. Dans ce petit bar de la rue principale, quatre hommes s'affrontent dans une partie de cartes amicales. L'un d'eux aime bien l'idée avancée par le candidat conservateur. Oui, oui, ça, moi, je créerais que ça fait le conseil. Autour de la table, tous sont retraités et tous ont travaillé de près ou de loin dans le secteur du bois. Plus de bois, là, on ferme la paroisse. Mais dans la région, la proposition de Maxime Bernier est loin de convaincre tout le monde. C'est le cas d'Hervé Dancause. Ouais, quand on joue aux cartes, on met pas notre jeu, on ouvre pas notre jeu en partant. Nous le rencontrons sur son terrain près de Saint-Marcel, à une trentaine de kilomètres de Saint-Pamphile. Il vend du bois qu'il coupe ici. Mais ce n'est pas son seul gagne-pain. Hervé Dancause est aussi producteur laitier. Il fait même partie de ces agriculteurs qui ont adhéré au Parti conservateur pour nuire à Maxime Bernier et pour défendre la gestion de l'offre qui prévoit la production et le prix du lait, des œufs et de la volaille. On sait que l'appétit des Américains est insatiable au niveau des gains, au niveau des accès au Canada. Fait que même si on donnera la gestion de l'offre, je ne suis pas sûr si on va rassasier leur appétit. Peu importe qui gagnera la course à la direction du Parti conservateur, à Saint-Pamphile, où des centaines d'emplois dépendent de la forêt, on s'attend à ce que le prochain chef de l'opposition officielle multiplie les efforts pour aider l'industrie. Et même qu'il s'arrête dans la région cet été, pendant le Festival du Bûcheux qu'organise Alexandra Dupont. C'est certain que ça l'aiderait, que ce serait bien vu par les gens d'ici, qu'on verrait que la personne serait intéressée et s'impliquerait, en fait, au sein de notre économie, de l'industrie forestière.